Oui, bonjour. Nous voilà pour la suite. J'ai travaillé sur la platine avec les condensateurs pour optimiser la charge. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai deux condos qui se chargent et qui se déchargent. J'ai un circuit intégré, un timer 555 qui me fait les coupures avec un coupleur qui gère avec un transistor. Pour la coupure, en fait, pour pas que ça grille, lui c'est un 15 ampères, mais on peut aller beaucoup plus haut. Hein, moi j'ai mis un 15 ampères, ce qui fait que le courant arrive, est retenu, chargé dans les condos et relâché toutes les 2 ou 3 fois par seconde. Voilà, donc on va voir un peu au niveau des mesures. On va regarder. Voilà, donc hop, on va aller ici, là, voilà. Ça, c'est ce qui est. Hop. Continue. La batterie d'alimentation qui est à 13 volts. Voilà. Maintenant, on va aller à la batterie de recharge. Donc, à l'entrée de ma platine où il y a mes condos, j'ai, voilà, vous voyez, 21, 20, 19. Voilà, 19. Ça varie. Et à la sortie, j'ai voilà 15, 16, non, j'ai 16, 17, 16, 17. Vous voyez, en fait, c'est à chaque fois que le condo se vide, il se recharge, il se revide, il se recharge, il se revide pour optimiser la charge. Voilà, sinon, je vous ai mis tous les photos de chaque composant, le schéma. Pour la fabriquer. Voilà. Après, je vais peut-être tout doucement l'arranger un peu mieux. Mais là, déjà, voilà. Là, on arrive à la fin du principe de Bégini. La batterie qui se charge, la batterie qui se décharge, les condensateurs qui relâchent le courant dans la batterie de charge, la bobine génératrice qui récupère du courant. J'ai fait exactement un des prototypes de Bégini. Et apparemment ça marche bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais acheter des batteries 12 volts, des petites batteries 12 volts de moto ou des petites batteries les plus petites de voiture ou de voiture. Et je vais la mettre à tourner et voir combien de temps je peux garder ma lumière éclairée et faire tourner mes batteries, voir si vraiment j'arrive à recharger un peu plus vite que ce que je consomme. Voilà, donc ça dans une prochaine vidéo, mais ça sera un peu plus tard, le temps que je m'équipe au niveau des batteries et puis pour faire le test, voire peut-être je ferai un direct, je sais pas exactement comment je ferai, mais on verra. Mais là voilà, tout est comme un des prototypes de Bégini. Maintenant, si ça vous a plu, ben, comme d'habitude, abonnez-vous, regardez et envoyez-moi des petits mots, il n'y a pas de souci. Si vous voulez plus d'explications, si je peux vous aider et voir si vous pouvez m'aider vous aussi, on ne sait jamais pour la suite. Merci, au revoir.